Guy, tu m'as appelé? P.O., t'es un master des réseaux sociaux. Ouais. C'est mon premier gala, je suis un peu énervé, puis je sais que les gens commentent beaucoup sur Internet. Hein. C'est quoi, t'as peur que les gens rient tes cheveux? Non, les remerciements. Non, c'est qu'il y a 13 nouveaux nommés, ouais. Puis j'ai besoin des remerciements punchés, drôles, touchants, tu comprends? Continue-moi, Guy. Je vais aller rencontrer les artistes et je vais vous faire un tutoriel de remerciements sans... Un beau conseil, là. Ça vient de la fille qui a 26 nominations, mais qui s'est jamais levée pour aller remercier live on stage. Là. Si t'as un endroit où t'as gratté parce que ça pique, fais-le avant de monter sur scène. Si vous avez pas de papier, vous allez oublier quelqu'un. Puis peut-être que j'ai oublié d'autres mondes, je m'excuserai demain matin. Il y a une règle de base, c'est la meilleure improvisation, c'est celle que t'as préparée. Voyons, je sais plus leur nom, mon Dieu, je suis rendue folle. En tout cas, moins que tu te prépares, plus que c'est préparé. Fait que fais semblant que tu savais pas que t'allais gagner, là, puis... Si tu gagnes, c'est très important d'embrasser la personne qui est à côté de toi, si c'est quelqu'un que tu connais. Si vous êtes avec votre douce ou votre amoureux, embrassez-le. Tu vas être accompagné de qui? De ma mère, ça va être un petit peu weird. Faut que ça soit clair, c'est un amoureux ou un ami? Mettons que je t'accompagne, là, ouais. Puis tu gagnes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'était ma fête le 27 décembre dernier, alors quel beau cadeau. Si vous n'êtes pas humoriste de métier, n'essayez pas de faire des jokes. Il faut avoir notre phrase punch, là. As-tu déjà tenu un prix artiste? Non. Bien, j'en ai un ici. Oh, shit. Oh. Ben, tu le tiens de même. On a déjà essayé ça, ça fonctionne pas. Et on a déjà vu ça, ça fonctionne pas non plus. T'es quand même lourd. Non, mais 24 carats. Wow! C'était en Italie. Ça, je peux tellement le fondre pour rembourser ma carte de crédit. Merci. Naturellement, il faut remercier, bon, le public. Les fans, merci parce que c'est eux qui votent pour qu'on gagne ce prix-là. Pas grave, je connais pas le nom, tu sais. Surtout, je remercierai vraiment les parents qui laissent leurs enfants écouter l'émission et remercier leur manque de jugement. Premièrement, je veux féliciter les gens avec lesquels j'étais en nomination. Toujours remercier son conjoint ou sa conjointe, parce que la veille, vous êtes chicané. Merci à ma blonde. Parce que si tu oublies ton chum ou ta blonde, rappelle-toi que longtemps, ils vont t'en parler pendant l'année. Je m'adresse également à Serge de Alma. Il faut jamais remercier des gens qu'on ne connaît pas. Je voudrais saluer également ma tante Georgette de Sherbrooke. Je voudrais remercier mon voisin, Éric. Rita de Trois-Rivières. On s'en fout. OK, des pleurs pas, c'est le fun. Faut que tu parles vraiment avec ton cœur. Toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ben... Faut vivre le moment. Je respire, ça va bien. Ça va bien. Et si tu te mets à pleurer, ben faut que tu pleures pour de vrai. Toi, qu'est-ce que tu ferais si la musique part pendant ton remerciement? Ben là, moi, je vais me chanter. Tu danses. Tu sais, y a jamais personne qui l'a fait. Oh yes, ils ont mis une toune pour que je continue mon speech. Merci! Quand la musique part, ferme ta gueule. Et on s'en va, comme je fais présentement. J'ai bien hâte de voir la danse si tu gagnes. Eh bien, j'ai vraiment hâte de gagner si je fais la danse. Puis essayez, s'il vous plaît, de sortir du bon bord pour une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.